Nicolas Léguette, donc j'ai 49 ans, vous êtes ici sur la commune de Guipava, donc dans le Finistère, au bout du monde. Il y a quelques années, j'avais tourné une vidéo avec Vers de Terre Production, donc je vous convie à aller la voir si vous pour avoir un peu plus de données sur l'historique de la ferme. Juste pour résumer, ici, vous êtes sur une ferme de 32 hectares. Je suis installé depuis 20 ans et mon frère est venu me rejoindre il y a 5 ans sur l'entreprise. Bon, je parle jamais d'exploitation agricole, hein. Je parle toujours d'entreprise agricole. Puisque j'ai un... Exploiter la terre, pour moi, n'a pas de sens. Une terre, elle se régénère, on est dans du recyclage, donc on est dans une dynamique positive. Alors, par rapport à ce que j'avais dit il y a 5 ans maintenant, il y a eu de grands changements puisque je travaille sur un système de monoculture en association multi-espèces depuis 2 ans. En fait, ça fait suite à une formation que j'avais fait avec Vers de Terre Production, avec Sybille, sur les bilans humiques. Bon, j'avais des bilans humiques qui étaient pas si mauvais que ça, mais en fait, pour améliorer les bilans humides, la seule solution, c'était de travailler en couvert permanent. Donc, on m'a proposé de la luzerne et du trèfle. Bon, la luzerne, moi, j'avais fait un essai il y a 6-7 ans et il s'avère que j'avais arrêté pour plusieurs raisons, mais notamment, bon, ici, on a des sols plutôt acides. Donc, c'est vrai que la luzerne se comporte beaucoup mieux en sol basique. Et par ailleurs, ce qui m'avait un peu déçu dans la luzerne, elle n'a pas un pouvoir recouvrant comme peut avoir le trèfle. Donc comme ici l'eau n'est pas un facteur des plus limitants, finalement je suis parti sur une réflexion sur le trèfle. Ouais. Donc ça fait 2 ans que le système est en route. Alors je vais vous je vais vous présenter un premier essai. Donc l'enjeu quand on part sur de la monoculture, c'est de gérer les problèmes parasitaires, les problèmes de faire de la rupture sanitaire. Donc juste pour vous résumer, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut encore appeler ça une rotation, mais je travaille sur un système pommes de terre blé. Alors soit c'est pommes de terre primeur blé, donc tous les 2 ans, donc système très entre guillemets très intensif. Sinon j'ai des systèmes où je suis un pomme de terre et 2 blés. Et la troisième rotation que j'ai, c'est pommes de terre et 3 blés à suivre. Alors pourquoi le blé? Parce que c'est un très bon précédent pour la pomme de terre. Ça laisse des pailles, système très carboné dans des systèmes avec du légume, c'est toujours intéressant. Et par ailleurs, le blé se comporte aussi très bien après une pomme de terre. Parce que la pomme de terre est une très bonne rupture parasitaire pour le blé. Donc là, la notion de rotation pour moi a complètement explosé, quoi. Ça n'a plus de sens vouloir faire 36 cultures. À un moment donné, pour être efficace, on peut pas être compétent partout. On peut pas être compétent dans 10 cultures. Et après, c'est le marché qui décide. Aujourd'hui, j'ai un acheteur de blé là, qui est producteur de porc. Et c'est vrai que lui, il recherche du blé dans son alimentation des cochons. Il ne recherche pas de l'orge, il ne recherche pas de l'avoine, il ne recherche pas des protéines. Donc par rapport à ça, à un moment donné, le choix d'une rotation se fait beaucoup plus par rapport à un marché et aux débouchés qui en découlent que par rapport à des convictions. Parce que derrière, après, on construit un système pour que ça soit quand même durable et que on n'ait pas de problème de sanitaire dans le temps, quoi. Donc la juste pour vous dire quand même que j'ai arrêté le labo en 2002, ça fait 18 ans. Je suis passé en semis sous couvert en 2009. Et donc depuis 2 ans, je m'intéresse aux associations multi-espèces pour le blé. Alors pour travailler, moi, j'ai encore un positionnement où la chimie, pour moi, ça a été une démarche de progrès. Et je l'utilise en cinquième roue du carrosse, mais je l'utilise pour un objectif bien précis. Donc, je fais plus de fongicides sur mes blés.
pommes de terre, je suis à un IFT de moins 80% par rapport à la moyenne. Mais je l'utilise quand vraiment il y a un risque, parce que derrière, c'est toujours le volet économique que je privilégie. Alors, par exemple, ici, vous êtes sur. L'idée, c'est de bien comprendre un peu comment construire une rupture parasitaire. Et la première chose à faire, c'est vraiment de ne pas avoir la repousse de la culture précédente. Ça c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup en pommes de terre. À partir du moment où on sait pas bien gérer les repousses dans les cultures qui suivent, on est assuré d'avoir des problèmes parasitaires et de sanitaires derrière. Donc on travaille sur de la prophylaxie. On sait qu'une plante a souvent soit des parasites, donc des insectes, soit après des au niveau des champignons, il y a des pathogènes à gérer. Et l'idée pour gérer des pathogènes, bon, le premier levier, c'est ne pas avoir les repousses de celle de la culture, hein, puisque autrement on entretient ces pathogènes et ces parasites. Et deuxième idée, c'est lui provoquer une rupture parasitaire, c'est-à-dire vraiment mettre des plantes qui sont à l'opposé de ces pathogènes pour éviter que ces pathogènes puissent prospérer. Et derrière, alors la rupture parasitaire, elle est courte, quoi, puisque quand on est sur de la monoculture, il faut qu'en 2, 3 mois, c'est-à-dire de la récolte qui a été fin juillet jusqu'à au semis de fin octobre, on a août, septembre, octobre, on a 3 mois pour faire cette rupture sanitaire. Donc c'est très très court, et donc il faut vraiment actionner tous les leviers en même temps pour pouvoir le faire. Puisque le piétin, par exemple, c'est un champignon qui se développe au pied du blé, on le sait que le principal vecteur pour le piétin, c'est d'avoir la plante en place, quoi. C'est pour ça que je gère chimiquement les repousses de blé pour être sûr qu'il n'y ait pas des repousses de blé à prospérer. Et on verra tout à l'heure, à la fin, on verra dans un système plus abouti où j'ai même plus besoin de la chimie pour le faire. Et c'est ça qui est intéressant. Donc après, ce qui est important, blé, c'est une graminée. En travaillant qu'avec des dicotes, même si c'est des mauvaises herbes, ça reste de la dicote. Donc c'est un moyen comme un autre pour s'assurer cette rupture. Donc jamais je vais mélanger une graminée dans un couvert, quoi. Je ne vais pas mettre de l'avoine, je ne vais pas mettre. Là, toutes les graminées sortent du circuit, quoi. Et peut-être qu'à terme, moi, je pense beaucoup plus à une approche où on aura des couverts spécialisés, soit de la dicote, soit de la graminée, et de gérer les repousses, soit par des anti-dicotes, soit par des anti-graminées. Par exemple, si dans des systèmes de colza, on n'aurait que des couverts de graminées pour faire cette rupture et de faire de la monoculture de colza tous les ans, quoi. Donc pour ça, c'est le meilleur moyen, c'est déjà ne pas avoir la repousse du précédent. Donc dans un système là, j'ai mis un couvert après la récolte de blé fin juillet, début août. Bon, il a mis un peu de temps à lever parce que c'était très sec. Et derrière, j'ai fait un antigraminé. C'est un couvert de dicotylédone, il n'y a que deux plantes, hein, moutarde et trèfle d'Alexandrie. Alors bien sûr, il y a du chénopode, il y a toutes les dicotes qui viennent, mais ça ne me dérange pas du tout, en fait. Et donc l'idée, c'est, j'ai fait cette antigraminée pour gérer les repousses de blé, parce que derrière, je vais remettre un deuxième blé. Et ce champ d'essai, c'est d'essayer de voir un peu jusqu'à où les comportements du deuxième blé, pour mieux comprendre un peu comment lever les problèmes qu'on pourrait avoir de piétin ou enfin des problèmes de toutes sortes quand on est sur de la monoculture. Et donc les faits d'avoir déjà que de la dicote en pur, bon, le blé c'est une graminée, donc déjà on fait une première rupture. Et derrière, ce que je vais faire, je vais laisser le trèfle Alexandrie, je vais le laisser dans le blé. Le blé sera semé vers le 25 octobre. Donc il faut s'imaginer, là on est le 18 septembre, d'ici 5 semaines, bon, le couvert il fera deux fois plus. Et donc le trèfle, je vais le laisser accompagner le blé jusqu'à fin février, début mars, pour justement gérer ce problème de piétin,
parce que le trèfle, il va couvrir, donc il évite après les éclaboussures au sol quand la pluie va arriver. Et donc il a une action physique. Après, il a une action aussi chimique, puisque un trèfle a un pH au niveau des racines de 5, aux alentours de 5, 5,5, alors que le blé, on est à 7,8. Donc il y a une complémentarité entre les deux plantes. Donc voilà, ça c'est une parcelle d'essai qui me permet de travailler, approfondir pourquoi à un moment donné les problèmes sanitaires, quel levier on peut trouver pour lever ces problèmes sanitaires, pour partir en monoculture. Ça c'est une moutarde. Alors pourquoi j'aime beaucoup la moutarde? Parce que elle recycle le soufre. Et derrière, on sait que le soufre trouve une synergie avec l'azote pour mieux valoriser en fait l'azote derrière. Puisque je suis dans un système où moi j'ai pas de colza dans ma rotation, puisqu'elle est très simple, hein, pommes de terre et blé. Et donc ça, j'ai aucun souci d'utiliser une moutarde de temps en temps pour recycler le soufre. Je pars du principe, c'est vrai que chaque plante a des qualités pour recycler un élément. Donc plus on a de plantes dans un sol et plus on a de chances de recycler un maximum d'éléments. Et plus on a aussi une chance de développer une diversité microbiologique, puisque chaque plante a sa propre microbiologie, quoi. Bactéries, champignons. Donc c'est pour ça que, au-delà, donc j'ai mis deux espèces, mais j'ai également un peu de chénopodes, j'ai un peu de renouée des oiseaux, et tout ça à un moment donné, ça me fait des. Bon, le chénopode et la moutarde, ça me fait des. Ça me fait la toiture, enfin la charpente en fait du sol, et derrière le trèfle va me faire la couverture, quoi. Et là, le trèfle, c'est vrai qu'il va prendre de l'ampleur là au fur et à mesure. Dès qu'on va semer le blé, il va bien recouvrir le sol. Et c'est vrai qu'on, à la rigueur, je pourrais t'amener une photo d'ici un mois et demi. Ça te permettra de voir un peu l'évolution du système. Ouais. Je vais semer mon blé dedans et je vais faire 1 litre de glyphosate. Alors l'avantage que je trouve au glyphosate, c'est qu'il est sélectif des légumineuses. Donc c'est-à-dire qu'à 1 litre, je ne tue pas mon trèfle. Donc c'est ce trèfle qui va permettre, je l'utilise en fait comme un produit de désherbant classique, sélectif. Donc l'idée c'est de. Bon, la moutarde, de toute manière, elle arrive en fleur. Donc une plante qui arrive en floraison, elle va mourir naturellement. Hein. Là, il n'y a pas besoin de chimie du tout. Là, l'histoire un peu du glypho, si c'est juste pour gérer quelques pâturins ou quelques graminées qui peuvent m'embêter par la suite. Mais c'est l'objectif, c'est uniquement pour ça. Voilà, en fait, les petites plantules de graminées qui pourraient subsister. Parce que derrière, moi, je suis sur des désherbages très light. Et en fait, dans toute ma réflexion, je pense qu'à terme, je ne traiterai plus la culture de vente. Je traiterai le couvert. Alors aujourd'hui, au niveau réglementaire, c'est pas possible. Mais bon, là, je suis dans des parcelles d'essai, c'est histoire de comprendre un peu les choses, quoi. Donc, on sort un peu du cadre. Mais après, aujourd'hui, la difficulté au niveau de la réglementation, c'est dans les couverts permanents, on ne sait pas où les positionner par rapport aux déclarations PAC, par rapport à. C'est pas une dérobée, c'est pas un couvert végétal, c'est quoi? Et c'est toute la difficulté après de savoir jusqu'à où on peut aller, quoi. Mais vraiment, la cible là, du glyphosate, c'est pas du tout de détruire le couvert. De toute manière, même le chénopode, oui, il arrive déjà en graines, en fleurs et en graines. Donc, toutes ces plantes vont naturellement se. Parce que le chénopode, c'est pareil. Le chénopode, bon, c'est une plante nacivale. Donc, en hiver, elle pose aucun problème dans un blé. Et puis. Donc ça, c'est vraiment cette parcelle d'essai, c'est d'évaluer un peu les contraintes qu'on peut avoir dans des monocultures de blé, et puis bon, ça permettra d'avancer dans la réflexion. Et c'est intéressant même de les laisser, parce qu'à un moment donné, la moutarde, elle va faire de la graine. Et là, en hiver, on nourrit les oiseaux de façon intéressante. Et les oiseaux, après, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Ben, du phosphore, il nous apporte plein de choses, donc c'est toujours intéressant, quoi, de partir là-dessus. Bon, ici j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Donc les pailles sont toutes ébroyées, rien n'est exporté.
Alors, ce qui est intéressant, moi, j'apporte plus de phosphore et de potassium depuis 15 ans et j'ai mes taux qui n'arrêtent pas d'augmenter. Alors que je fais de la pomme de terre ici, des systèmes des fois tous les 2 ans, il n'y a plus de potasse depuis des années. Comme quoi les standards traditionnels explosent en éclats dès qu'on part dans des systèmes comme ça. Puisque finalement, quand on calcule vraiment les exportations de potassium et de phosphore, même pour une pomme de terre, c'est pas si élevé que ça. Donc ici, vous êtes sur une parcelle de pommes de terre récoltées fin juillet. Donc derrière cette parcelle de pommes de terre, j'ai semé du trèfle blanc pur à 10 kilos, 10-12 kilos hectare. Donc c'est des doses très élevées. Or bien sûr, avec le trèfle, ben, le chénopode s'est également bien développé, il y a un peu de renouée. Alors, ce que je trouve toujours intéressant, les chénopodes, hein, il va faire un pivot et ça permet au sol de reconstruire le sol. Parce qu'après la récolte de pommes de terre, on détruit la structure. Donc l'idée, c'est de la reconstruire la plus vite possible. Et le chénopode, je trouve, c'est une plante d'été qui a un pouvoir de perforation intéressant. Après, c'est une plante très carbonée, avec de la lignine dure. Et ça va permettre de donner rapidement à manger et de développer la microbiologie qui est en dessous, quoi. Là, on sent bien déjà que le chénopode, il a son pivot et ses racines secondaires. Hein, et ça permet déjà de. Le sol commence déjà à se tenir autour. Et derrière, ce que j'ai fait, alors ça c'est un essai, j'ai broyé il y a lundi dernier, donc il y a 5 jours. Alors l'idée, pourquoi j'ai broyé, c'est pour permettre au trèfle blanc de mieux s'installer. Là pareil, je vais semer du blé au 25 octobre. Donc là, pendant 5 semaines, il va avoir la lumière. Et d'ici 5 semaines, j'espère avoir un beau tapis de trèfle en dessous. Donc j'aurai déjà mon toit pour l'hiver, pour protéger la structure en surface avec les pluies hivernales, et la structure en profondeur, elle est protégée avec le chénopode. Donc là, on me disait que c'était pas possible d'installer un trèfle blanc en été, ça met trop de temps à s'installer. Donc par rapport au schéma classique où jusqu'à présent, le trèfle chez nous, on le mettait dans du colza en semis fin août, début septembre. Et finalement, il s'exprimait qu'un an après, quoi. Après la récolte du colza. Et là, en fait, on se rend compte que même en 2 mois, on peut être capable d'installer un trèfle. Alors, il n'a peut-être pas encore fait ses stolons, mais il sera déjà relativement bien développé au semis du blé, quoi. Bon. Après, je pense que c'est probablement vers là que je vais aller après toutes les récoltes de pommes de terre, hein. Ça permet de. Ouais, l'avantage du trèfle blanc par rapport au trèfle d'Alexandrie, c'est que déjà il va rester 2-3 ans. Donc quand on ramène le coût à l'hectare, en fait, on est sur des bases de entre 45 et 60 euros de l'hectare. Mais si on divise sur une rotation de 3 ans, ça fait 20 euros, donc c'est insignifiant, quoi, par rapport à ce que ça peut apporter derrière. Alors, je parle jamais trop d'azote avec la légumineuse parce que c'est vrai qu'elle en ramène un peu au sol. Mais moi, l'idée derrière de tout ça, c'est plus travailler la mycorhization. Et d'avoir des légumineuses en permanence dans un sol. Là, on va pouvoir construire des schémas très intéressants sur la mycorhization et derrière la disponibilité des éléments, notamment au phosphore, quoi. Donc tout ça, à un moment donné, on va en tirer les bénéfices. Rien d'autre. Bon, moi j'ai un semoir de semis sous couvert après, donc on sème là-dedans sans aucun problème, hein. N'y a pas grand-chose à dire. Broyer, pour moi, c'est trop lourd comme action. Je me rends compte, je suis pas habitué à le faire. Je l'ai fait pour faire un essai, voir si vraiment il y a une différence. Parce que j'ai laissé une partie non broyée. Dans un essai, c'est toujours important d'avoir un témoin
pour pouvoir comparer, quoi. Et derrière, mais c'est, j'ai passé 1 heure pour 1 hectare, j'ai mangé du carburant, du temps, et bon, c'est encore trop, quoi. Voilà, comme quoi, par rapport aux idées reçues, cette histoire de trèfle où on me disait que c'était peine perdue et que on se rend compte qu'il faut quand même essayer, et finalement, par rapport à des même si j'ai pas désherbé avant mon trèfle, il a quand même réussi à s'implanter, à s'installer. Après, le trèfle, c'est une plante qui aime bien ses congénères. C'est pour ça qu'il faut mettre des doses hectares élevées. On se rend compte souvent dans des pâtures, le trèfle, naturellement, il est en touffe. Et le trèfle, c'est ça. Il aime bien être avec ses copains, quoi. Il aime pas, s'il y a juste un pied de trèfle, perdu dans, il va pas résister aux autres plantes. Par contre, s'ils sont très très voilà, très denses, automatiquement il peut s'exprimer davantage, et derrière il se développe, quoi. Alors il a été semé au semoir, donc j'avais, après la pomme de terre, je remets tout à plat avec un Canadien, un cultivateur en fait, et derrière j'ai semé au semoir en ligne. Sur la terre. Alors il a germé assez. Il a eu du mal à germer aussi parce que il faisait sec, hein, donc ça germait pas tant que ça. Donc le kénopode, il avait pris un peu d'avance, mais finalement, comme le kénopode n'était pas trop dense, il a quand même réussi à trouver assez de lumière pour s'exprimer. Alors autre chose, aujourd'hui, toutes les graines que j'implante, je les enrobe d'un complexe d'oligo-éléments. Donc moi je ne fais plus de fongicides sur mes traitements de semences depuis longtemps, mais même les couverts aujourd'hui, j'ai commencé à les enrober également d'un petit complexe oligo-éléments, justement pour booster l'implantation. Pour moi, ça c'est vraiment un investissement, quoi, parce que c'est un investissement qui coûte pas cher, donc ça vaut le coup de bien soigner l'implantation. C'est pour ça que je le fais au semoir, et derrière, voilà, l'enrobage. Bon, c'est pas pour le prix que ça coûte, mais bon, ça permet de sécuriser la levée derrière, voilà, son implantation. Pas grand-chose d'autre. Ce qui est intéressant avec ce genre de couvert, bon, on gère très bien en fait les vivaces, hein, avec des couverts spontanés, avec la renouée, le kénopode, les graminées estivales, les setaires et tout ça. Ce sont des plantes tellement couvrantes, qui gèrent très bien les vivaces comme le laitron, le chardon ou le rumex. Parce que dans des systèmes de couvert permanent, ce qui est important, c'est, voilà, bien appréhender les vivaces pour bien les gérer, et derrière, comme ça, il y a besoin de très peu de désherbage. Il ne pousse pas parce qu'aujourd'hui, le kénopode a fait son boulot de restructuration verticale. Donc quelque part, le rumex, qui est censé aussi travailler là-dessus, bah, ne s'exprime pas. En fait, on se rend compte qu'un sol, c'est comme un être vivant. Avant, je passais mon temps à choisir des couverts, à imposer des couverts comme je fais dans l'autre parcelle. Et finalement, non, quand on a bousculé un sol, quand on l'a mis avec la pomme de terre, il faut savoir l'écouter, le sol. Et finalement, il va faire germer les plantes dont il a besoin pour se reconstruire. Donc il faut plus s'embêter à lui imposer des couverts spécifiques. La seule chose que je lui impose, c'est le trèfle, mais après, pour le reste, pour sa restructuration verticale, il se débrouille. Et on voit bien le bout de la parcelle, la terre est plus légère, le sol est moins compacté, et ben c'est la renouée des oiseaux qui s'exprime beaucoup plus. Ici, on est sur de la terre plus lourde. On est qu'à 3% de matière organique, et là c'est le kénopode qui s'exprime, parce que le kénopode est une plante beaucoup plus puissante. L'autre côté, je suis plus à 4,5 de matière organique, et là c'est, voilà, c'est la renouée. Et ça, c'est intéressant aussi avec les couverts spontanés, c'est quand on laisse faire les choses, finalement on a une analyse des sols sur toute la parcelle sans avoir besoin d'aller en laboratoire. Et le sol, et voilà, et quelque part, quand on lui laisse un peu la liberté, il va automatiquement mettre ce qu'il a besoin pour se relancer. Oui, et puis
Oui, voilà, j'ai un semoir, un SD 3000 de semi-direct avec un élément ouvreur et puis un élément semeur. Après, sur un. Voilà, là, je peux avoir 500, 600 mm d'eau cet hiver. Voilà, je ne serai pas inquiété du tout, quoi. Et ça, c'est quand même intéressant parce que avec l'hiver précédent qu'on a eu, quand on voit les dégâts que ça occasionne, c'est là qu'on voit toute la pertinence d'avoir du trèfle permanent dans le système. Même un trèfle, on a l'impression, bon, c'est sûr qu'il assèche le profil en surface, mais son maillage en profondeur fait que c'est une façon aussi de pouvoir stocker d'eau, de l'eau pour les printemps qui sont de plus en plus secs aujourd'hui. Finalement, on se rend compte on a de plus en plus de printemps secs et les couverts permanents vont nous aider à mieux gérer la réserve hydrique des sols. Moi, sur certains sols, j'ai que 20 cm de terre, hein, donc c'est pas non plus. On apprend à construire du stockage d'eau par la matière organique et par la structuration du sol. Quand on part sur des couverts permanents, pour moi, il faut du semoir à disque parce qu'à un moment donné, il faut trancher le trèfle, parce qu'un semoir à dents, quand il y a trop de végétation, ben ça a du mal à passer. Un semoir à dents, c'est bon dans de la paille ou dans des chaumes après une récolte, quoi. Mais là, quand on rentre après dans des couverts permanents, moi, je crois beaucoup plus au semoir à disque. Donc ici, un couvert spontané après pommes de terre primeur récoltées fin juin. Donc j'ai juste égalisé la terre et j'ai mis un peu de trèfle Alexandrie à la volée là. Donc qu'est-ce qui s'est surtout exprimé? C'est toujours renouée, chénopodes et des graminées estivales. Alors l'idée c'est qu'on arrive là au 18 septembre, le couvert arrive en sénescence. Et maintenant, c'est le trèfle d'Alexandrie qui prend le relais. Donc ça permet comme ça d'avoir toujours une activité permanente des plantes. Le fait d'avoir des plantes toujours en activité, au niveau microbiologie, ça permet de garder des niveaux de microbiologiques dans le sol toujours élevés, quoi. Parce que dès qu'une plante arrive en sénescence, si on n'a pas une note à côté à prendre le relais, automatiquement on perd de la dynamique microbiologique. Voilà. Alors pas grand-chose à dire. Bon, moi je trouve que c'est pas si mal pour un couvert qui n'a que 2 mois et demi. Là, en termes de biomasse, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Ça m'a rien coûté. Si le sol a mis ça en place, c'est ce qu'il avait besoin. On voit bien dans les fourrières, il ne met pas les mêmes choses que. Quand je dis les fourrières, c'est les bouts de champs où il n'y a pas eu de pommes de terre. On voit bien qu'il ne met pas les mêmes plantes en place. Après, ce qui est intéressant avec toutes ces plantes estivales, ça ne me pose aucun problème dans ma rotation puisque j'ai que des cultures d'hiver là. La pomme de terre, elle est plantée en février, récoltée au mois de mai-juin. Le blé, pareil, plante d'hiver. Donc, avoir un stock semencier de graines me pose aucun problème. Au contraire, là, déjà, ça veut dire que je vais ensemencer mon système pour l'année, enfin, dans 2 ans, quoi. Et après, j'ai un tel stock semencier aujourd'hui que. Bon, en fonction des années, j'ai plus ou moins de graminées ou de dicotylédones, ça dépend. On va peut-être aller voir l'autre parcelle qui a 1 mois de plus de couvert et on va voir la différence de potentiel entre un couvert qui démarre début juin et début juillet. C'est là qu'on voit la notion de somme de température. C'est fondamental de pouvoir semer après une récolte le plus tôt possible, quoi. Après, c'est une microbiologie qui est globale, mais une microbiologie, elle se nourrit principalement de sucre issu de la photosynthèse. Donc, qu'on ait une graminée estivale ou un chénopode, après, c'est peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir une plante vivante
pour faire tourner le système, quoi. Et tout à l'heure, je parlais de rupture parasitaire et de, bon, dans un système comme ça, là, déjà, je gère les repousses de pommes de terre parce que, vu la densité, elles auront du mal à s'exprimer. Et derrière, voilà, le fait d'avoir cette diversité de plantes, je gère aussi les nématodes et les, parce que dans des systèmes, intensifs en rotation où tous les 2 ans on met de la pomme de terre, je vois, sur Noirmoutier, ils ont des soucis aujourd'hui de nématodes et ça, c'est un moyen de gérer, en fait, toute cette microbiologie pathogène, quoi. Parce qu'avec cette diversité de plantes, tout se remet en ordre et finalement, on purifie le système, quoi. Là, ouais, oui. Là, ça, c'est de la renouée. En fait, la renouée, c'est la famille du sarrasin. Ok. C'est une polygonacée. Et on sait que le sarrasin recycle très bien le phosphore. Donc, je pense que la renouée n'est pas si mal pour ça aussi. Donc, toujours le même principe. Récolte de pommes de terre. Ici, c'était fin mai. Donc, couvert spontané qui a démarré début juin. Donc, faut voir la biomasse que ça fait là en 3 mois. Voilà. Et donc, j'ai mis un trèfle, toujours un trèfle d'Alexandrie qui est en bas là. Et qui, je pense, va prendre le relais maintenant et pour s'exprimer parce que le couvert arrive vraiment en sénescence, quoi. Là, en termes de biomasse, je sais pas, il faudrait peut-être évaluer ce qu'on a au-dessus et en dessous, mais c'est quand même intéressant, quoi. C'est intéressant. Et un constat aussi, quelque part, quand on voit le kénopode, quand on le laisse s'exprimer, finalement, c'est du BRF qu'on fait directement sur place, quoi. Parce que quand il se lignifie, quand il durcit, ça devient du bois. Et c'est un BRF qui est gratuit, qui est sur place et qui est probablement très efficace après pour relancer la... Toujours dans l'optique de relancer la machine. Donc, j'ai reconstruit la maison avec toutes les racines. Et derrière, j'ai le garde-manger qui est là et qui va servir pour l'hiver. Donc là, on sème aussi un blé encore le 25 octobre. Mais ça montre bien un peu la potentialité de la nature quand on la laisse faire, finalement. Aujourd'hui, j'ai plus une approche... Je considère plus en fait les mauvaises herbes comme des adventices, mais je les considère plus comme des herbes folles. Donc, qui ont aussi leur faculté, leur capacité à régénérer des sols, à faire des ruptures sanitaires, parasitaires, et à faire le boulot de couvert classique. L'avantage, c'est gratuit et on est sûr que ça pousse. Ce qui n'est pas toujours vrai avec des couverts qu'on implante soi-même, on a parfois des échecs. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a 3 ans, qu'on avait beau mettre des couverts, le kénopode, la renouée prenait toujours de l'avance. Donc finalement, mais il n'y a qu'à les laisser faire. Et depuis qu'on fait ça, ben on a gagné, voilà, on a gagné beaucoup, je pense, en tonnage de matière sèche. Donc derrière, après, tout se met en place, quoi. Ouais. Parce que là, quand on sème un blé là-dedans, c'est sûr qu'on peut avoir 600 mm de pluie, on est tranquille. Hein. Il n'y aura pas de ruissellement, il n'y aura pas d'érosion. Et le blé, il va se sentir, il sera bien là-dedans. Hein. Là, j'ai fini cette parcelle fin mai, il y avait des pommes de terre. Là-bas, c'était fin juin. Et donc... Et la parcelle qu'on avait vue avec le trèfle blanc, c'était fin juillet. Donc en 3 mois, on se rend compte les différences de biomasse. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on a un potentiel extraordinaire. Quand on voit la longueur des jours au mois de juin, c'est évident que très vite, on peut atteindre ces potentialités-là. Quoi. Arrivé dans l'autre parcelle où on est au mois de juillet, ben, on perd déjà 3-4 tonnes de matière sèche. Hein. Alors aujourd'hui, je ne cherche pas à faire, je pourrais très bien faire de la deuxième culture, faire par exemple un maïs, et je me rends compte que finalement, j'ai des marges correctes sur la culture de pommes de terre, et pour pouvoir être résilient, je pense que j'ai intérêt à laisser plutôt travailler mes herbes folles, plutôt que vouloir gratter encore quelques euros sur un maïs grain,
ou derrière, je ferai pas la même rupture parasitaire que je peux faire avec cette mixité de plantes. Pour gérer justement les nématodes et tous les agents pathogènes. Donc parfois, il faut savoir aussi, et je suis pas le seul à le penser, moi je crois plus beaucoup à la double culture. Vaut mieux faire une belle culture de rente et derrière tout, consacrer tout le reste au sol. Quitte à faire deux couverts à suivre ou peu importe, mais parce qu'un sol, comme dit Conrad, il faut lui laisser 60% de matière en fait. Enfin, sur un tonnage de 15 tonnes récoltées, il y a 30 tonnes au moins qui doivent rester au sol, quoi. Donc les 30 tonnes, il faut bien les trouver quelque part. Hein. Donc ça y contribue, quoi. Là, c'est une inconnue. C'est la première fois que jusqu'à présent, je laissais comme ça les plantes s'exprimer, mais arrivé en sénescence, je trouvais qu'il manque de la verdure. Parce qu'en semi-direct, il n'y a rien de tel que semer dans du vert, donc dans des plantes vivantes. Et c'est pour ça que j'ai essayé le trèfle à Alexandrie cette année. Mais je pense que l'année prochaine, je partirai sur le trèfle blanc parce qu'il a une meilleure capacité à rester même dans la pénombre à la base en fait, à la base comme il peut le faire dans du colza, quoi. Et comme il a pu le faire dans le kénopode, dans la parcelle qu'on a vue précédemment, quoi. Mais bon, on essaye et on évolue, quoi. Ah, mais avec un semoir de semis direct, on passe partout, hein. Et plus il y a de biomasse, plus il y a de la matière, et mieux c'est. Pour un semoir, avoir du 3, 4 mètres de haut, c'est toujours mieux qu'avoir un couvert de 50 cm. Ben, l'idée, c'est plus il y a de biomasse dans un système, et plus le système va être résilient, plus le garde-manger sera important. Ouais. Et derrière, même plus la couverture sera importante quand on va tout aplatir, il y aura un vrai madelin. Donc on va protéger la microbiologie, les êtres vivants du sol par ce madelin de paille. Et donc quelque part, et le semoir, ça lui pose aucun problème d'aller là-dedans. Et c'est pour ça que je préconise davantage les semoirs à disque. Alors ici, c'est une parcelle qui est coupée en deux. Et là, j'ai fait un broyage là-bas parce que voilà, j'ai de la pomme de terre à mettre à partir de fin novembre. Donc là, je suis obligé d'anticiper un peu et de broyer parce qu'il y aura un léger travail de sol. Pas autant que ce que j'ai fait là-bas, mais il y aura quand même un petit travail du sol, quoi. Mais les graminées estivales, quand on voit là, les racines que ça peut faire derrière, c'est dommage, là on voit pas trop, mais c'est vrai que c'est... Et puis ça fait quand même de la belle... Du bon carbone aussi, de la belle paille. Hein. Ouais. Alors pas autant que le kénopode. Hein. Le kénopode, c'est vraiment du... Enfin, il est plein, quoi. C'est pas creux. Hein. Donc ça, c'est de la paille. Enfin, c'est de la lignine comme il faut pour mettre dans le garde-manger. Quand même. Donc c'est pour ça que moi, c'est presque pour moi, c'est du BRF. Ça coûte rien par rapport à... Autant en maraîchage sol vivant, on peut se permettre d'amener 20 tonnes comme ça de copeaux de bois ou autre. Mais sur des surfaces comme moi j'ai aujourd'hui, je peux pas, quoi. Donc est-ce que la voie, ce serait pas de faire des plantes qui ont des capacités à faire de la lignine et de semer ce genre de plantes comme le kénopode, quoi. Donc alors ici, vous êtes sur une parcelle encore couverte spontanée après une récolte de pommes de terre du 15 juin. Alors, par rapport aux autres parcelles, ce qui est intéressant, ici, les couverts se sont spontanés, se sont moins exprimés, que ce soit le kénopode ou la renouée. Bon, après, c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait d'avoir quand même mis ce trèfle d'Alexandrie. Au final, ça m'a permis de boucher les trous et quelque part, le trèfle Alexandrie a joué pleinement son rôle de couvert. Quoi. Comme quoi, même en couvert spontané, parfois, les couverts s'expriment pas forcément complètement. Donc, ça permet de garantir d'avoir un beau couvert quand même en résultat final. Quoi. Et là, on voit bien que comme la densité de kénopodes était plus faible,
C'est vrai que le trèfle, il a eu beaucoup plus de lumière et, pour s'exprimer. Bon, je ne sais pas ce que je peux rajouter d'autre, mais on est quand même toujours sur des bons systèmes avec la charpente faite avec le kénopode. Alors on voit bien que le kénopode est moins avancé qu'en bord, hein. Il n'est pas encore lignifié comme celui qu'on avait en bord, mais tranquillement là il va se durcir et puis donc on aura la bonne ration pour le sol, hein. Des sucres rapides et de l'alinine plus dure pour l'humus. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Mais comme quoi, même en couvert spontané, c'est quand même je pense, important de mettre quand même un trèfle pour sécuriser le couvert. Parce que si j'avais pas mis de trèfle, bon, j'aurais peut-être pu avoir du pâturin, enfin des herbes folles qui m'intéressent pas, quoi. Parce qu'elles font pas de biomasse, elles structurent pas, alors que là, ça m'a permis quand même d'avoir un résultat probant. Le fait que le trèfle ait pu s'exprimer. Comme quoi, d'une parcelle à l'autre, en 15 jours d'intervalle, on peut avoir des expressions très différentes, en fait, d'un sol. Or, peut-être que ce sol avait besoin d'être moins restructuré, donc il a moins exprimé nécessité de mettre du kénopode. Mais c'est pas la même terre, c'est une terre plus légère et peut-être que voilà. Mais comme quoi, bon, il faut toujours avoir cette optique de faire de la biomasse. Donc même quand on laisse faire la nature, bon, on voit bien que le trèfle d'Alexandrie en bas, on le voit pas encore beaucoup. On le verra peut-être un peu mieux, mais c'est pas grave. Il faut quand même en mettre pour sécuriser, voilà, l'expression que peut faire le sol derrière. Parce que pour moi, ce couvert, il est quand même réussi, quoi. Même s'il a pas, il est pas aussi exubérant que ce qu'on a vu en bord, il y a quand même une belle biomasse et là, je pense qu'une bonne dynamique microbiologique derrière. Le sol bémol, là, je vois que le laitron, il n'a pas été aussi bien contrôlé. On voit quelques plants de laitron qui subsistent. Le laitron en pomme de terre, ouais, ça c'est le genre de plante qu'il faut essayer d'éviter. Et notamment la concurrence sur l'eau et voilà, si on peut éviter d'être envahi avec toutes ces plantes vivaces, hein, le chardon, le laitron. Après, ça veut dire aussi que ça exprime certaines choses dans le sol, hein. Bon, Ducerf a beaucoup travaillé là-dessus et je pense que faudra peut-être s'y replonger, quoi. Donc ici on part du point zéro. Donc je viens de récolter mes pommes de terre fin août. Donc c'est vraiment une course contre la montre, hein. L'idée c'est essayer de récolter le maximum de pommes de terre pour pouvoir implanter un couvert avant le blé. Donc là c'est un couvert de moutarde. Alors je l'ai mis à 15 kilos parce que je sais qu'en un mois et demi il n'aura pas le temps de s'exprimer. Mais l'idée c'est d'avoir déjà une première petite couverture et toujours dans l'idée d'avoir cette moutarde qui va recycler un peu le soufre. Donc là, c'est pour mettre un blé dedans au 25 octobre. Juste un petit point sur la gestion des talus. Sur les talus, jamais d'épareuse, jamais de lamier. Je laisse toujours les fougères, les plantes s'exprimer. Là, il y a des nids d'oiseaux, on construit de la biodiversité autour de la parcelle pour moi qui va me servir dans l'acte de production. Donc, on broie jamais. Après, les arbres, moi, je passe jamais un lamier, je garde des fûts, c'est-à-dire avoir un arbre avec un fût et des branches et non pas faire une haie. On a du chêne, on a du châtaignier, on a donc à un moment donné, ce sont des arbres qui ont besoin de s'exprimer en fût et non pas
Et comme je vois aujourd'hui dans beaucoup de fermes, les fermes sont tellement grandes que tout est mécanisé, mais pour moi, ce n'est pas une bonne gestion en fait du bocage. Alors ça prend plus de temps de travailler à la tronçonneuse pour couper les branches juste au tronc, au niveau du tronc, mais derrière, bah, ça donne un bocage qui est beaucoup plus aéré et qui contribue beaucoup, je pense, bien davantage aussi au système agricole qui est à côté, quoi. Parce que je me rends compte qu'avec le lamier, aujourd'hui, il y a plein de châtaigniers qui tombent malades parce que c'est comme si on leur coupait des membres en plein milieu, quoi. À un moment donné, les membres se coupent au niveau des articulations, quoi. Et pour les arbres, ouais, c'est ce qui se passe, quoi. Avec ces passages de lamier et qui dénature, à mon sens, le bocage. Voilà. Mais tout ça contribue à un moment donné à rentrer dans des schémas de biodiversité et c'est un levier de production derrière. Comment? Un brise-vent et il se passe plein de choses. Moi, j'ai quasiment pas de pucerons, quasiment pas d'insectes qui me... Après, il y a le climat qui fait aussi, puisqu'il n'y a pas des températures excessives, donc. Mais tout ça, c'est dans une vision globale et on arrive à beaucoup mieux gérer tous ces parasites. Au fur et à mesure, là, en fait, qu'on rentre dans des schémas comme ça, on a moins de topins. Après, depuis 2 ans, j'ai commencé à travailler avec une société Gaiago qui propose des huiles essentielles et qui font fuir les topins et c'est assez efficace. J'en suis assez content. Alors le souci, bon, une huile essentielle a aussi des effets secondaires sur la microbiologie, hein, on le sait pertinemment. Mais après, entre la peste et le choléra, bon, faut savoir ce qu'on veut. Malgré tout, on rentre dans des schémas plus vertueux, donc c'est ça qui est important. C'est cette notion de démarche de progrès. Hein. Le mildiou, pareil, cette année, j'ai juste utilisé des fongicides de synthèse à des périodes très critiques où la météo était très défavorable. Et autrement, j'utilise un produit qui favorise la synthèse des protéines des plantes. Et derrière, l'immunité des plantes, quoi. Ce qui fait que je suis à quasiment 80% par rapport à l'IFT régional en dessous, quoi. Donc, traitement de plants, pareil, là, toujours sous forme d'oligo-éléments pour les pommes de terre. Donc, pas de fongicides. Et puis, peu à peu, le rhizoctone, qui est vraiment la bête noire pour nous en pommes de terre, c'est un champignon. On arrive à commencer à bien le maîtriser. Mais en fait, dans une approche globale, ce qui est important, c'est premièrement, on remet les équilibres des minéraux en place. Magnésium, calcium, c'est fondamental. Je me suis trop appliqué sur la biologie et en fait le premier pilier ce sont les minéraux. Et après la biologie elle se développe à partir du moment où on a un bon équilibre des minéraux. Et souvent on a tendance à vouloir mettre de la biologie, travailler sur la biologie, mais la biologie elle est en dormance, elle ne va s'exprimer que si les équilibres en minéraux sont bons. Donc un sol pour moi n'est jamais mort. C'est que juste la microbiologie, elle est en dormance. Dès qu'on remet tout en route, ça se régénère très rapidement. Donc là, c'est juste pour vous montrer que la culture de pommes de terre est quand même très destructrice. Alors l'idée, là, c'était de préparer la terre pour des pommes de terre qui seront plantées en février 2021. Et donc, j'ai préparé la terre en septembre 2020. L'idée, c'est d'avoir une terre beaucoup plus fine et pour pouvoir mécaniser la récolte, même pour une plantation précoce de février. Alors pour ça, donc j'ai tamisé ma terre, j'ai billonné, j'ai tamisé, et là j'ai mis 200 kg d'avoine en surface. Et donc d'ici un mois et demi, bon, je pourrais encore envoyer une photo, mais il y aura un tapis comme une pelouse en fait. Donc ça va me protéger le sol pendant les 4 mois de pluie. Et ça me permettra de planter quand même dans de bonnes conditions au mois de février, parce que les pommes de terre primeur, c'est toujours une fenêtre météo qu'on trouve de 3-4 jours. Il faut avoir une terre voilà, en adéquation pour
pour pouvoir semer, enfin planter derrière les pommes de terre, quoi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, plus ça va, plus je mécanise. Et donc, c'est important d'avoir une terre fine pour faire la séparation mode de terre et terre fine, de la faire avant la plantation, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on tamise la terre, en fait. Hein. Ouais. Parce que j'ai aussi pas mal de cailloux. Et donc, ça permet de. Donc, c'est un essai que je fais de faire une préparation d'automne comme certains ont commencé à le faire. Alors, dans des sols argileux, c'est beaucoup plus pertinent parce que l'argile en hiver va travailler. Ici, on est sur des sols très fragiles, il n'y a pas d'argile. Donc, la seule solution pour protéger, là, ça va être avoir un gros couvert d'avoine très dense pour pouvoir voilà, gérer les pluies hivernales. Pas grand-chose d'autre à dire. Bon, c'est un essai. Si c'est pertinent, je referai encore la même chose l'année prochaine. En fait, donc une fois que j'ai travaillé mon terrain, je suis passé avec un épandeur centrifuge et l'avoine germe très très bien en surface, quoi. Alors là, quand on va voir de près, il y a même plein de petits chénopodes, il y a plein de petites des graminées et des dicotes estivales qui font le premier tapis, puis derrière, l'avoine prendra le relais, quoi. Là, je suis à 200 kilos hectares, hein. Donc l'idée, c'est d'avoir une vraie pelouse comme on a en bas. Alors je sais que ça a un coût agronomique pour mon sol, hein. Je suis bien conscient de ça, puisque bon, c'est une destruction, c'est très violent, mais en même temps, économiquement, c'est tellement efficace que je ne reviendrai pas par rapport à cette technique-là. Je préfère après travailler beaucoup en amont et en aval de la culture pour reconstruire le système. Et en fait, la nature va très très vite. Et ce que je me rends compte déjà, c'est intéressant de faire ça en fait. En septembre, il n'y a pas trop de vers de terre encore dans le profil qui a été travaillé. Parce que comme il faisait sec, les vers de terre sont encore au fond du profil. Donc, ils n'ont pas été tués par la tamiseuse. D'ici un mois, là, je verrai plein de turricules de vers de terre. Hein, ils seront là. Et c'est ça aussi qui est intéressant de travailler en fin d'été, c'est que comme les vers de terre sont pas dans le profil, on fait moins de dégâts sur. Il y a 5 ans de ça, j'ai eu fait des comptages de vers de terre. En moyenne, avant une culture de pommes de terre, je suis à 2,5 tonnes de vers de terre hectare. Après la culture, je suis qu'à 1,5 tonnes. Je perds 1 tonne de vers de terre l'année où je mets la pomme de terre. Donc ça en dit long sur la destruction. Donc ça veut dire 1 tonne de vers de terre perdue, c'est 4 tonnes de biomasse perdue, quoi. Si on prend un facteur 4, donc je partais au départ de 10 tonnes de biomasse avec mes 2,5 tonnes de vers de terre et j'arrive plus qu'à 6 tonnes un an après. Donc c'est pour ça que c'est très important de reconstruire le plus vite possible pour remettre le sol en route. Mais en fait, la nature est résiliente et la nature a des capacités de régénération phénoménales. À partir du moment où on met tous les atouts de son côté, il n'y a qu'à la laisser faire après. Donc voilà une parcelle implantée en trèfle blanc. Donc c'est un système voilà, je vais promouvoir, que je vais généraliser à toute la ferme d'ici un an et demi, je n'aurai que du trèfle blanc partout. Donc là, en précédent, l'année dernière, on avait une pomme de terre. Donc j'ai semé un blé. Alors j'ai semé un blé assez clair, hein, 100-110 kilos hectare. Et en fin janvier, début février, j'ai fait un sursemis de trèfle blanc dedans, que j'ai fait à 8 kilos hectares. Donc le trèfle blanc, il s'est installé tranquillement et on a vu à la sénescence du blé à partir du 15 juin, le trèfle a commencé à s'exprimer de plus en plus au fur et à mesure que la lumière arrivait dans la parcelle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Ben, je pense que ce qui est intéressant, c'est une plante qui est étouffante. Donc, à part quelques rumex et quelques laitrons, rien n'est passé, ne passe au travers. Donc, ce qui est intéressant, c'est au niveau de cette fameuse rupture parasitaire,
On n'a pas de repousse de blé. On a une bonne dégradation des pailles, parce que les pailles là sont dans l'humidité. Donc l'idée là, c'est de faire deux autres blés à suivre, hein, et de garder ce couvert permanent de trèfle. Et en fait, la révélation que j'ai eue, c'est par rapport à une notion de photosynthèse. On se raconte que quand on est sur des schémas classiques, on récolte et on sème le lendemain. Pour moi, on perd quasiment 3 mois de photosynthèse. Parce que les 1 mois et demi où la plante est en sénescence, donc du 15 juin au 1er août, là, le trèfle, il a pu déjà capter énormément d'énergie. Et après, du 1er août au 15 septembre, le temps qu'un couvert classique s'installe, le trèfle est déjà, là, il est déjà arrivé à son potentiel de biomasse, mais là, maintenant, il va laisser énormément d'exudats racinaires, de carbone liquide au sol. Et ça, voilà, ça nous permet d'avoir, de capter 100% de la photosynthèse. Puisque là, aujourd'hui, en gardant ce couvert, même à l'implantation du blé en novembre, il va encore capter un peu de photosynthèse le temps que le blé prenne le relais. Et toute cette énergie qui est emmagasinée, à un moment donné, c'est de l'énergie fossile qu'on aura besoin en moins pour produire. Donc moins de machines, moins de carburant, moins d'engrais, moins de phyto, moins de tout, quoi. Donc avec moins, on produit plus, quoi. Là, je sais qu'avec un couvert comme ça, je vais gagner 20 quintaux de blé par rapport au blé numéro 1. Donc, et ça, c'est des choses qui sont impossibles en rotation classique. Quand on fait un blé sur blé, on perd 10, 20 quintaux. Et là, je sais qu'avec ce système-là, je vais gagner, puisque j'aurai une meilleure structure que l'année dernière quand je démarrais après pommes de terre. J'aurai une meilleure organisation des éléments, une meilleure disponibilité de l'azote, enfin, et puis surtout une meilleure protection du sol en hiver. Là, je peux avoir 1000 mm d'eau cet hiver, je suis tranquille. Je suis tranquille. Donc c'est vrai que là on se rend compte que la plante est capable de tout faire, quoi. De gérer les repousses, de gérer le pâturin. Là, enfin, je sais pas si la caméra peut... voilà, en dessous, il y a absolument rien, quoi. Donc ça veut dire qu'en désherbage pour le blé, mais ça va être hyper light, quoi. Il y aura quasiment rien besoin de mettre, quoi. Alors, à l'heure actuelle, ce que je vais faire, je vais mettre 1 litre de glyphosate. L'idée, c'est de, pareil, c'est endormir. On endort le trèfle pendant 2-3 mois, le temps que le blé puisse s'installer. Et avec le glyphosate, ça me permet de gérer quelques graminées et quelques vivaces qui resteront. Après, j'ai prévu un désherbage avec un peu de DFF, c'est une molécule classique, mais bon, à 0,2 litres hectare, la norme, je crois que c'est 0,5-0,6. Peut-être que j'aurai pas besoin de faire, j'en sais rien. Et il y a juste une chose, c'est que je vais probablement gérer avec du gratil après au mois d'avril le rumex. Ouais. Pour mon idée à terme, ce sera probablement de cette prairie de trèfle, je vais probablement essayer de l'associer avec du plantain pour remplacer justement peut-être que j'aurais même pas besoin de mettre des graines. Le plantain va venir tout seul et va remplacer mes rumex. Parce que l'avantage du plantain, il résiste aussi au glyphosate. Hein. Donc il est sélectif et ça va permettre de garder les plantes qu'on a, donc le trèfle et le plantain, et de liquider les plantes indésirables. Le plantain a la même fonction que le rumex. Là, ça veut dire qu'on est sur des zones encore compactées. Il y a besoin d'avoir ces charpentes métalliques pour ferrailler le sol verticalement, quoi. Et je suis sûr que d'ici deux ans, j'aurai peut-être 3-4 plantains au mètre carré, mais ça sera vraiment nickel, quoi. J'aurai ma charpente et j'aurai le toit avec le trèfle. Donc là, ma maison est parfaite, quoi. Et le garde-manger qui est en dessous, après,
N'en parlons pas. Là, les pailles ont été broyées. Alors, ce que je trouve intéressant avec ce trèfle, cette variété de trèfle, c'est que voilà, la barre de coupe, elle est passée juste pour récolter l'épi. Et puis, donc, ça n'a posé aucun problème. J'ai pas eu besoin de chimiquement de gérer le couvert. Ça, c'est un problème, je trouve, avec la luzerne, où bah, parfois, on est obligé de contrôler chimiquement la luzerne, ou alors après, il faut partir sur des schémas de coupe en andaine et on sépare. Enfin, c'est alors que là, c'est une variété de trèfle qui monte pas plus haut. On se rend compte que le plantain, pareil, il monte pas haut, donc il va pas gêner s'il y en a dans le blé. Et c'est là que je me dis qu'à terme, j'aurais peut-être plus besoin de traiter mon blé en fait. Je ferais peut-être juste un traitement sur le couvert permanent de temps en temps et terminé. Pour garder quand même le contrôle du salissement. Mais ça, à terme, je pense qu'on va pouvoir arriver sur des blés à 100 quintaux avec 100 unités d'azote. Hein. Ça, j'en suis persuadé, quoi. Parce que sous cette construction du trèfle, là, au niveau mycorhisation, enfin, j'ai hâte dans 2 ans de remettre des pommes de terre hein, et voir ce que ça va donner derrière. Donc l'idée pour le trèfle, c'est dans ma rotation, c'est dans mon troisième blé, je dégagerai mon trèfle au mois de septembre, sachant qu'avant d'implanter ma pomme de terre l'année suivante. Et je mettrai une avoine. Parce que j'aime bien l'avoine, c'est nettoyant. J'aime bien les avoines en précédant pommes de terre pour le couvert, parce que c'est une graminée hivernale. Qui dit graminée dit elle fait peu de biomasse en surface. Par contre, elle travaille énormément le sol en profondeur. Donc ça nous permet comme ça d'avoir peu de matière à gérer pour l'implantation de pommes de terre, peu de biomasse à gérer en surface. Par contre, le fait d'avoir un super enracinement en profondeur. Elle fait le boulot, quoi. Mais on voit bien, hein, partout, le plantain est en train d'arriver. Donc finalement, voilà, j'aurais peut-être même pas besoin de. Ça veut dire que naturellement, le sol a toutes les graines, en fait, à disposition, quoi. Mais quand on voit sur une surface comme ça, c'est une parcelle de 5 hectares, bon, bah, c'est quand même encourageant, quoi, d'aller, je pense, vers des schémas comme ça. Parce que là, on solutionne nos problèmes de nitrate, nos problèmes de phyto, nos problèmes d'érosion, nos problèmes de stockage en eau. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette vision globale, hein, pour envoyer tous les. Pour, on solutionnera tous les problèmes en même temps ou on solutionnera rien du tout. Si ce n'est les choses comme on a fait jusqu'à présent, nitrate, directive nitrate, phyto, directive phyto, ça ne marche pas. Ça fait 25 ans qu'on essaye et ça ne fonctionne pas. Il faut fermer le système et solutionner tout en même temps. Là, j'implante un blé, c'est 5 litres de gasoil et basta, quoi. Ça va être plus de fongicides. Parce que ce qui est intéressant avec ce toit de végétal, c'est que toutes les gouttes d'eau qui tombent sur cette surface vont pas contaminer mes feuilles de blé en fusariose ou autre, puisque s'il y a un peu de fusariose, elle est en dessous, elle va pas. Et comme c'est par rebond que la fusariose remonte dans les feuilles, là, ma feuille 0 sera pas. Enfin, ma feuille numéro 1 sera pas contaminée, donc celle de la dixième, encore moins. Donc il y a un effet physique, il y a un effet chimique, il y a un effet biologique. On en voit tout en même temps. Et je pense qu'avec ça, on va pouvoir déplafonner les rendements avec encore moins d'intrants. Parce que jusqu'à présent, je pense que voilà, on a essayé plein de choses en 20 ans, mais là, avec, je pense, cette notion de permaculture, et de couverture permanente, d'avoir des plantes vivantes en permanence et des plantes vivaces, quoi, qu'il faut qu'on. Donc c'est pour ça que le plantain m'intéresse, ben le trèfle. Peut-être qu'une troisième plante serait intéressante pour avoir le couvert multi-espèces fonctionnel, quoi, le plus fonctionnel possible. Et derrière, voilà, j'ai plus besoin d'implanter de couvert. Là, en été, voilà, j'ai plus de couvert à implanter. Ce qui est intéressant, on implante les couverts en février, à une période où en charge de travail, on est aussi plus tranquille.
Donc, ce qui fait qu'on peut partir en vacances tranquillement. Il n'y a pas tout ce travail à faire, puisque le trèfle, déjà, il a germé, il est en place, donc il n'a plus qu'à s'exprimer, quoi. On n'a plus cette notion de est-ce qu'on va avoir un peu de pluie pour faire germer le couvert qu'on met en place. Non, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et toute cette photosynthèse du 15 juin au 15 septembre, mais c'est énorme, quoi. On ne se rend pas compte, mais. Et même dans une plante qui est en sénescence, ben voilà, ça permet déjà à l'autre plante de prendre le relais. C'est ça qui est intéressant, c'est avoir des plantes qui soient complémentaires. Le trèfle, c'est quand même une plante d'été, elle aime bien la chaleur, elle aime bien la graminée, le blé, c'est une plante d'hiver. Donc finalement, on est en phase. Donc on n'est pas en concurrence et ça permet comme ça au blé de s'implanter sans avoir à gérer trop le trèfle, quoi. Parce que malgré tout, quand il commence à faire très froid, le trèfle, il va moins. Même si ici, il fait moins froid qu'ailleurs, donc il continue toujours un peu à pousser, mais pas autant qu'une graminée. Donc ça laisse le temps au blé de s'implanter, quoi. Ouais. Alors ce qui est important, je pense, là, je vais prendre une variété de blé qui est assez couvrante pour contrôler physiquement un peu le trèfle, quoi. Mais bon. Ouais, c'est cette notion de complémentarité dans les plantes, c'est fondamental quand on part sur des notions de couvert permanent, quoi. D'avoir la culture de rente qui soit vraiment complémentaire du choix des espèces qu'on met. Et c'est pour ça que je pense que pour les colzas, plutôt des plantes, pour des plantes d'été, il faudra plutôt des plantes compagnes d'hiver, quoi. Voilà, pour trouver la complémentarité. Voilà, il aura pas autant de lumière, donc il va rester un peu latent. Et dès que le blé arrivera en sénescence au 15 juin, il repart. Et déjà à la récolte, j'avais déjà, voilà, bon, il n'y avait pas cette densité, mais il y avait déjà pas mal de choses, quoi. Ouais. Et comme ça, et ainsi de suite. Et on se retrouve avec un système super performant, puisque on est sur trois blés à suivre. On a fait nos ruptures parasitaires. Ça nous coûte quasiment rien. Et puis, et derrière, c'est vrai que dans 2 ans, j'aurai une terre, mais très, très meuble pour la pomme de terre, quoi. Parce que les plantes d'été, comme la pomme de terre, ce sont des plantes très, vraiment exigeantes au niveau de disponibilité des éléments, au niveau pas forcément en azote, mais en phosphore, en potassium. Et ben, quand tu as une réorganisation comme ça pendant 3 ans, je pense que le sol derrière, même s'il y a un travail du sol, il sera très, très performant, quoi. Aujourd'hui, avec 90 unités d'azote, je sors 40 tonnes de pommes de terre à l'hectare, quoi. Alors après, en fertilisant, je n'utilise que de l'urée. Ça fait 15 ans que j'utilise plus d'ammonitrate. Parce que l'ammonitrate, pour moi, c'est un poison, comme la bouillie bordelaise. C'est pas fait pour ça. C'est un explosif, c'est pas un fertilisant. L'urée, NH2, c'est beaucoup plus naturel. Il faut que ça passe par un processus biologique pour être mis à disposition des plantes. Et donc, c'est beaucoup plus, je pense, compatible avec ce que recherche un sol, quoi. Ouais. Alors, il n'y a pas l'effet booster, mais après l'urée, c'est un produit lent. Il faut juste anticiper un peu les apports. Et derrière, moi, j'achète aussi 150 tonnes de fumier. Et quand on met un fumier dans un couvert comme ça, parce que moi, un fumier, je le mets toujours à l'automne, hein, jamais au printemps, quoi. Un fumier, c'est pour faire. L'enjeu, c'est de développer les champignons. Les anciens le mettaient toujours à l'automne. Aujourd'hui, en épandant le fumier au printemps, ça n'a pas de sens pour moi. Et derrière, mais quand on met un fumier et qu'il tombe bien au fond, là, il a l'humidité, il a le, et donc il peut s'exprimer beaucoup mieux, quoi. Alors moi, le fumier, j'oriente les formatations, je le travaille en amont. C'est-à-dire que je l'ensemence de bactéries, de champignons pour gérer l'ammoniac. Je le transforme en ion ammonium, donc pas d'odeur. Donc comme ça, je gêne personne. Comme je disais tout à l'heure, je suis sur une commune de 14 000 habitants. Moi, j'ai aucun problème avec mes épandages parce que voilà, mon fumier est inodore, il pose pas de problème, donc j'ai pas besoin de l'enfouir et j'amène quelque chose d'aérobie dans un milieu aérobie. Alors que beaucoup de gens amènent
beaucoup de fumée qui est en pleine fermentation, en anaérobiose. Et pour moi, ça, on peut pas exprimer après tout le potentiel du fumier s'il n'est pas travaillé auparavant avec. Et ça coûte rien, quoi. Et tout cette odeur, c'est de l'azote qui est perdu puisque c'est de l'ammoniac qui va dans l'air. Alors que quand on le séquestre sous forme de NH4+, il est assimilable directement par la plante derrière. Donc ça, c'est des sociétés hein, qui vendent des ensemencements de bactéries, de champignons qui tu mets ça au bout de 2 mois, ton fumier il est prêt à l'épandage et au moins il a gardé son azote. Et donc la notion de compostage dont on prône toutes les vertus, pour moi c'est de la connerie. De mettre de l'azote dans l'air, c'est une vue de l'esprit. Alors que ouais, un fumier, il vaut mieux garder tous les. L'azote, on n'en a jamais assez, on n'en a jamais trop dans ces systèmes-là. Tellement il y a de biomasse à dégrader, tellement il y a besoin de faire fonctionner les processus de dégradation que l'azote, on peut charger, de toute manière, il n'y a pas de fuite. Avec des couvertures comme ça, il n'y a pas de fuite. Phosphore, il n'y a pas d'érosion, donc il n'y a pas de fuite non plus. Et puis, donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais je pense qu'avec des schémas comme ça, on va pouvoir aller très très loin. Ouais. Ah, c'est sûr que là, avec des schémas comme ça, économiquement, on va encore améliorer de façon substantielle les marges. Et donc, ouais, ça, c'est évident. C'est une évidence. Parce que encore moins de tracteurs, moins besoin d'azote, bon. Moins besoin de fongicides, moins besoin de tout, quoi. Donc, less is more. Du coup, c'est, enfin, je sais pas si tu veux bien parler des chiffres économiques, avoir vu combien, quelle marge tu peux faire. Ouais, bah aujourd'hui, nous, on est sur des EBE à plus de. Sur la ferme sur 32 hectares, on est à plus de 100, 110, 115 000 euros d'EBE, là. Donc ça nous permet d'investir et ça nous permet justement dès cette optique de prendre des congés, d'avoir 2 jours de repos hebdomadaire. Tout ça, ça a un coût et à un moment donné, il nous faut des systèmes très efficients. Mais derrière, c'est important de reposer l'esprit parce que ça permet justement d'avancer, d'aller toujours plus loin, quoi. Moi, je veux vraiment me rapprocher des autres catégories socioprofessionnelles, quoi. Il n'y a pas de raison que l'agriculture reste en marge de la société. Et aujourd'hui, elle est en marge en grande partie parce qu'elle travaille trop, je pense. Et même en agriculture bio, quoi, on ne propose pas des systèmes, pour moi, assez vertueux, quoi, sur cette notion de temps de travail. Mais bon, on verra le résultat, quoi. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est la sobriété, hein. Et cette sobriété, elle est aussi intellectuelle. C'est-à-dire, la nature, faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à la nature. On n'est pas grand-chose. Et même en termes de connaissances, on connaît vraiment très très peu de choses. Et j'ai souvent tendance à dire, la compétence, c'est l'addition du savoir et du savoir-faire. Et aujourd'hui, la compétence, malheureusement, elle est surtout chez les agriculteurs, puisque on a affaire à beaucoup d'experts qui ont du savoir, qui ont de la connaissance, mais qui n'ont pas du savoir-faire sur le terrain. Et à un moment donné, il faut avoir les deux, en fait, pour être compétent. Et c'est pour ça qu'elle est difficile à trouver dans ces schémas-là, de trouver de la compétence, parce qu'il y a très peu de gens qui pratiquent et qui ont la connaissance derrière pour valoriser justement cette connaissance, quoi. Mais je pense que l'agriculture du 21e siècle, ouais, il faut qu'on la construise autour de ces schémas-là, quoi. Alors moi, j'ai de la pomme de terre. Alors malheureusement, à un moment donné, je dois tout détruire et repartir à zéro. Mais malgré tout, ça permet quand même de construire des choses pendant les 3 ans et d'être beaucoup moins dépensier dans la culture industrielle derrière de pommes de terre. Parce que j'ai besoin de beaucoup moins d'énergie pour préparer mon lit de semence, pour implanter ma pomme de terre. Donc je suis plus aujourd'hui, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc
La culture sous couvert de pommes de terre, je dis pourquoi pas, mais il nous faudra de la génétique appropriée, quoi. C'est-à-dire avoir peut-être des plantes arbustives qui sont capables de faire un gros couvert et de protéger les tubercules contre la lumière. C'est le seul problème qu'on a avec la pomme de terre, c'est pouvoir faire de la, comment dirais-je, protéger en fait les tubercules contre les UV. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, on la met dans la terre pour s'assurer de préserver contre la lumière. Mais peut-être dans des biomasses de 20 tonnes hectares de biomasse, on arriverait à faire des choses. Mais il nous faut une génétique aussi appropriée. Parce qu'on se rend compte que là, dans un couvert comme ça, bah, les repousses de pommes de terre, on n'en trouve pas beaucoup. Donc ça, c'est aussi très très vertueux pour moi. C'est que j'ai même plus besoin de chimie ou de mécanique du sol pour gérer les repousses. Là, je pense qu'après, ouais, elles ont du mal à s'exprimer, et puis la faune du sol se charge des repousses qui restent, quoi. La seule interrogation que j'ai aujourd'hui, c'est le mulot, les rongeurs, dans un milieu comme ça, j'espère qu'ils sera pas trop propice. Parce que ça peut être un vrai problème en pommes de terre derrière, les pommes de terre rongées, les mulots adorent. Donc voilà, là c'est une inconnue que j'ai aujourd'hui. Et à part ça... Alors là, pareil, les pommes de terre aujourd'hui, moi je fais un anti-germe en fait sur le feuillage en 15 jours avant la récolte. Alors l'idée c'est de... ça me préserve la germination des pommes de terre et on gère 80% des repousses aussi. Alors pourquoi je le fais, c'est parce que ça me permet de garder des pommes de terre jusqu'au mois de mai sans dépenser 1 kWh en froid ou en... mes pommes de terre sont dans des cellules, dans un bâtiment isolé, mais non réfrigéré. Et ça permet comme ça de garder toutes les vertus aussi du tubercule. Parce qu'une pomme de terre à 3-4 degrés, elle transforme l'amidon en sucre rapide. Et au bout de 6 mois, quand on mange une pomme de terre, on pense manger un sucre lent et en fait, on mange des sucres rapides. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Puisque en qualité nutritionnelle, on est censé... voilà, on perd toutes les qualités nutritionnelles. Autre chose, on perd aussi gustativement les qualités gustatives puisque ça donne un goût sucré à la pomme de terre et donc on n'a plus le goût intrinsèque de départ. Et c'est pour ça que ça me permet de... beaucoup de gens me disent « Ah, on a l'impression d'avoir des pommes de terre comme à l'ancienne. » Parce que j'ai une façon de travailler comme faisaient les anciens, c'est-à-dire pas conserver les pommes de terre dans le froid, les conserver au frais à 8-9 degrés. Mais derrière, c'est vrai qu'en termes de bilan carbone, c'est hyper efficace, quoi. Pas un kilowattheure, c'est pour ça que la chimie de synthèse, moi j'ai encore... pour moi, ça a été une démarche de progrès. Bon, il y a eu beaucoup d'excès, mais je pense que quand on lui donne un sens, ça a encore toute sa vertu, notamment par rapport au bilan carbone. Parce que les gaz à effet de serre, aujourd'hui, à vouloir supprimer cette chimie de synthèse, on va alourdir de façon conséquente les besoins d'énergie, les besoins de... Automatiquement, si on n'a pas de chimie, aujourd'hui, à part les couverts permanents pour gérer les mauvaises herbes, c'est gratter le sol. C'est du désherbage mécanique. Et ça, c'est pas très vertueux, quoi. Dans une notion de réduire le temps de travail, de réduire les investissements, de réduire... Parce que derrière, moi, j'ai passé un an et demi en République dominicaine. J'étais très marqué par la faim. La faim dans le monde, il y a des gens, ils n'ont pas à manger tous les jours. Et donc, ça a toujours été pour moi très important de vendre un produit à un prix sociétalement acceptable. C'est-à-dire que pour moi, manger, c'est un bien de première nécessité. Et même des gens qui gagnent que 1000 euros par mois, ils doivent pouvoir manger décemment. Et quand on voit aujourd'hui ce qu'on promeut, c'est une agriculture très élitiste, où on peut vendre des produits à des prix non abordables pour la majorité du commun des mortels. Et à un moment donné, non, il faut être dans des optiques de maîtriser les coûts de production pour pouvoir vendre à un prix sociétalement acceptable.
Et je pense que c'est fondamental parce que moi, l'idée, c'est pas de nourrir les 10-15% de la population privilégiée. L'idée, c'est de proposer une bonne alimentation à la majorité des gens. Et ça, c'est un vrai challenge aujourd'hui. Hein, parce que les médias ne véhiculent que de l'agriculture élitiste pour des gens d'un certain niveau social et d'un certain pouvoir d'achat. Quoi. Parce que ça aussi, dans la démarche que j'ai, moi, je ne nourris pas les gens. Je suis agriculteur, mon job, c'est du management. Je gère un sol et c'est le sol qui est le fondamental pour produire derrière. On n'a pas attendu les hommes pour que la nature nourrisse les gens. Hein. La nature, elle est capable de nourrir les gens. Donc à un moment donné, en tant qu'agriculteur aussi, il faut arrêter ce discours où on nourrit les gens. Non, notre job, c'est on manage un sol pour qu'il soit le plus performant tout seul possible et derrière les plantes s'expriment et donc c'est une autre c'est vraiment une autre approche qu'on a derrière. Et derrière, quand on a ce schéma vertueux d'avoir un sol en bon état de santé, ça veut dire qu'on a des qualités nutritionnelles, des qualités gustatives et derrière on construit aussi une vraie santé pour les animaux, pour les hommes. On est sur un schéma très vertueux, quoi. Vraiment le triptyque sol, monde animal, monde végétal. Et la chaîne alimentaire, elle tourne dans les deux sens. Et à un moment donné, quand on arrive à mettre tout le monde dans ce cycle, parce que quand on est cultivateur, on est aussi bien un éleveur. Et ça, on l'oublie souvent, quoi. Mais quand on a 10 tonnes de biomasse animal en dessous de ses pieds, il faut être conscient, quoi. Que quelque part, un cultivateur, c'est aussi un éleveur, quoi. Et avant tout, un éleveur. Donc, voici un couvert installé fin août. Un couvert de moutarde de trèfle Alexandrie. Donc, après une récolte d'orge. On s'est mis beaucoup de temps à germer et on se rend compte que dans des systèmes un peu TCS classiques avec un déchômage. Alors j'ai voulu faire du déchômage parce que j'avais des problèmes de brome. Donc c'est pour ça que j'ai semé mon couvert qu'à la fin août pour laisser lever le brome. Et j'ai réalisé deux faux semis. Bon, ça a fait partir une partie des graines, mais pas tout. Et on se rend compte qu'avec des systèmes comme ça, on gère pas du tout les repousses d'orge, on gère pas du tout le pâturin, on gère pas complètement le brome. Donc c'est des systèmes qui sont pas vertueux, quoi. Parce que bon, derrière je vais mettre une orge de printemps, mais j'ai pas solutionné le problème, quoi. La couverture est loin d'être totale. Alors je vais faire de la biomasse, mais j'aurai pas à la base, j'aurais pas la couverture que je souhaite, quoi. Pour gérer les plantes indésirables avec des plantes, quoi. Là, on est obligé de passer. On se rend compte avec des systèmes comme ça. À part la chimie, je vois pas comment on peut solutionner ces problèmes de plantes indésirables. Ou alors après, on repart dans du travail mécanique, qui est aussi un souci parce qu'on perturbe les champignons, on perturbe le sol, on grille du carbone, ça prend beaucoup de temps, donc c'est pas non plus vertueux, quoi. Donc là, je suis vraiment dans cette parcelle, comme c'est la dernière à passer en semi de couvert permanent, bon, ça m'a permis de voir un peu les limites du système en TCS, où on implante le couvert qu'après la récolte. Ben moi, j'ai eu la chance de rencontrer une Francis Bucaille, donc de la société Gaiago, qui nous a apporté beaucoup dans l'appréhension justement de l'équilibre des minéraux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous permet aux plantes de s'exprimer à 100% de leur capacité, quoi. Tant qu'on n'a pas ces équilibres de minéraux, c'est beaucoup plus compliqué de faire exprimer le potentiel des plantes. Ouais. Et après, tout se met en place, quoi. Et une fois que les plantes sont là, la biologie se met en place, quoi. Ouais.